Ah oui, c'est vrai, je vais prendre les cuillères qui sont cuillerées. Hey, salut Maude, salut Maude. Petit live surprise dans cette belle température de. On est quel jour? Mercredi. Mercredi de la semaine sainte. Alors évidemment, il fallait que ce soit vraiment un gros verglas de malade. Salut Wolf, ça va très bien, merci. Malgré ce temps exécrable, vous le voyez pas parce que le vent vient de l'autre côté, mais la pluie de l'autre côté. Ah, mais là, c'est moins pire là, en ce moment. Là. La pluie, elle givrait les vitres immédiatement. Mais là, ça a l'air. On dirait que la température est en train d'augmenter. Salut Midnight. Je suis en train de faire. Donc, c'est un petit live surprise parce que ma femme va probablement être en mesure de rentrer plus tôt du travail aujourd'hui, cet après-midi. Et je me suis dit que j'allais préparer des nouilles udon pour que ce soit prêt quand elle arrive. C'est un plat qui se réchauffe bien aussi au micro-ondes, il n'y a pas de problème. Et je voulais tester parce que l'autre jour, elle est allée faire l'épicerie puis elle a acheté des légumes surgelés, des légumes congelés, en spécial des choix du président. Style Bangkok, tu sais. Donc, genre avec des bébés maïs, des cossins comme ça, tu sais. Puis, hey, salut Snoro! Et puis, c'est ça, je veux voir de quoi ça a l'air. Je vais les sauter. Évidemment, je vais sauter les nouilles. Et après ça, ben, on va ajouter la sauce. Là, je suis en train de faire tremper des champignons shiitake. Donc, en train de les faire réhydrater. Et c'est ça. Merci tout le monde qui me suivent. Très, très gentil. Donc des nouilles udon, comme on peut trouver, justement, Marc President's Choice. Hop, attendez, je vais changer le. Pour que vous puissiez lire, je vais inverser la caméra. Wow, j'espère que vous n'avez pas fait le choc. Salut Lauriane! Oh, t'es avec Chef Touski. Cool, salut Chef Touski. Donc, nouilles udon, all right. Très très simple, hein, c'est dans des genres de paquets sous vide. OK? Donc c'est mou, c'est pas sec. Salut, Calamotte. K pour Catherine. Au lieu que je dise tout le temps Clamotte ou Calamotte. donc c'est ça. C'est. Oh, je viens d'avoir un acouphène. Anyway. Salut, RBK. Donc c'est ça. C'est ces nouilles-là. Des bonnes nouilles. Pleine de gluten. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Amélie m'a demandé d'avoir des nouilles udon, parce qu'elle n'est pas censée manger de gluten, mais bon, en tout cas, elle avait le goût. Et si vous êtes des abonnés à ma chaîne TikTok, vous avez sûrement vu la vidéo de nouilles udon. Ah, ben tiens, Mouvda, tu dis que je suis le Harry Potter canadien, pourquoi? Est-ce que j'ai un petit côté magicien? Alors, c'est ça, les nouilles udon dans la vidéo, c'est avec du bok choy puis avec des crevettes. Cette fois-ci, on va y aller. Bœuf et légumes surgelés. Attendez, je vais vous amener. Ben, en fait, les nouilles udon, ce qui est le fun, c'est qu'elles sont épaisses, elles sont chewy. Elles sont comme. Comment on dit chewy en français? En tout cas, quelqu'un s'il peut vous dire c'est quoi chewy en français. Je vais aller chercher les légumes congelés, je vais vous montrer ça. Ça, c'est ce que Amélie a ramené. Élastique, ouais. Donc, ça, c'est les légumes style Bangkok. Ouais, beau temps pour la pêche, Pierre. Je te souhaite belle pêche. Caoutchouteux, non, c'est pas tant caoutchouteux les nouilles udon. Moelleux, moelleux.
Chewy qui est au-tuteux. OK. En tout cas, merci beaucoup pour les synonymes. Vous êtes un très bon dictionnaire en ligne, meilleur que ChatGPT, je trouve d'ailleurs. Ça me donne vraiment des mots plus contextuels. Donc, vous êtes bien plus intelligent que ChatGPT. Bon, donc c'est ça, vous voyez, c'est style Bangkok avec carottes, brocolis, des haricots, des pois, des champignons de Paris, des bébés maïs. En fait, je pense que la seule affaire qui est style Bangkok dedans, c'est les bébés maïs. Donc, bref, c'est quand même, ça fait de la fun, c'est facile à préparer, c'est facile à faire sauter et ça coûtait pas cher. Donc, on va utiliser ça au lieu de prendre des bok choy frais. Ben oui, Benjamin, exactement. Donc, on va utiliser ça avec du bœuf, avec des nouilles udon et évidemment des champignons shiitake pour donner le vrai goût umami, alright? Parce que ça, si vous n'avez pas ça, là, ça ressemble à ça dans le paquet. Là, c'est en train de réhydrater dans de l'eau chaude, alright? Vous prenez juste de l'eau chaude du robinet, la plus chaude que vous pouvez faire. Donc, moi, je fais sortir de la champlure l'eau chaude, puis ensuite, quand c'est au maximum chaud, là, je mets les champignons dedans. Puis là, je mets une assiette par-dessus le bol, et puis ça reste au chaud longtemps. Puis ensuite, après une quinzaine de minutes, je les vire de bord. Bon. Spectre, oui, je suis content que ça te donne faim. Les champignons comme ça, tu les achètes dans les épiceries asiatiques. Je sais pas s'il y a une épicerie style Maxi, IGA, Métro. Je sais pas s'il y en a qui en vendent. J'en ai jamais vu, malheureusement. En plus, je trouve que ce serait super facile à vendre parce que c'est déshydraté. Donc, tu serais capable de garder ça comme quasiment éternellement sur les tablettes, tu sais. Donc, tu sais, c'est dommage que ce soit pas vendu. Zoé, non, je suis d'origine vietnamienne, mais je suis québécois, je suis né à Québec. Bon, cela étant dit, première chose qu'il faut faire pour des nouilles udon, c'est de faire la sauce, alright? C'est la sauce qui est la clé de bien des recettes. Merci Karina. Prends un bol, alright? C'est très simple la sauce. On prend de la sauce soya foncée. Beaucoup demandent, c'est quoi la différence entre sauce soya foncée et sauce soya claire? Ben, regardez, la sauce soya foncée, là, quand je... Wow! Bon, je viens de faire un petit dégât. Je vais aller chercher un essuie-tout mouillé. Je reviens. Heureusement que j'avais une planche, donc ça n'a vraiment pas fait grand-chose, le petit dégât. Mais quand même, je vais essuyer la planche comme telle. Hey, rebonjour Nicolas! Qui est sur Twitch. Donc la sauce soya foncée, vous voyez qu'elle est beaucoup plus caramélisée, beaucoup plus sirupeuse et elle colle sur le contenant, sur la bouteille, à l'intérieur de la bouteille. Mais ce que ça fait une belle couleur. Vous savez, là, quand vous achetez du macaroni chinois au métro, tu sais, genre déjà toute faite, ben ce qui fait qu'il est foncé comme ça, c'est la sauce soya foncée, tout simplement. Qui ont mis dedans. Mais t'en mets pas trop. Donc oui, c'est plus épais. C'est moi, je dirais même beaucoup plus épais que la sauce soya claire. Et le goût est beaucoup plus caramélisé. T'sais. Ça goûte quasiment le caramel. T'sais. Donc, oh non, on prépare pas du pho avec la sauce soya. On prépare des nouilles udon. Alright? Nouilles udon. Ok, il y a 3-4 personnes qui sont en train de m'écouter en classe au cégep. C'est vraiment drôle. Parce que d'habitude, ils m'écoutent. En fait, non, ils m'écoutent pas pendant mes autres cours, mais là, ils m'écoutent parce que là, je fais de la bouffe. T'sais. Donc, anyway, c'est peut-être plus intéressant. Donc, est-ce que j'ai déjà travaillé dans un restaurant? Non, merci. Bon, là, je vais mettre. Non, c'est quoi qui est là? On va mettre dans les nouilles udon, on veut du foncé. Alright? On veut du foncé, on veut du goûteux. Donc, on va prendre 2 cuillères à soupe de sauce soya foncée. Faut pas ajouter sur ça, ok? Donc, ouais, plus intéressant la bouffe asiatique que l'informatique, je sais pas, là. C'est pas censé, là, pas dans mes cours, en tout cas. Bon, Kat qui est censé faire ses lectures pour l'université. Je pense que, finalement, c'est pas très très bon, mes lives. Moi, je devrais arrêter mes lives.
à cause que c'est en train de nuire à l'éducation des jeunes. Batman, oui, je suis prof. Salut Batman. D'ailleurs, j'aime beaucoup Batman, mais le vrai Batman, parce que Batman est vrai, vous savez, Bruce Wayne existe pour vrai. Mon métier, mon vrai métier, c'est dur à dire quel est mon vrai métier, parce que j'en ai plusieurs, mais mettons, prof d'informatique. Tamari, non, parce que du Tamari, c'est clair, clair, clair. All right? Nicolas qui dit que c'est plus le fun d'écouter le live de bouffe que de compiler à bras MySQL. Je sais pas, moi je trouvais ça vraiment le fun, mais on a comme des définitions différentes de fun, tu sais. Non, j'arrête pas ça là, Wolf, inquiète-toi pas. Des vidéos YouTube, j'en ai déjà fait, mais c'est beaucoup plus de job parce que d'habitude ils sont plus finis. Et puis c'est ça, tu sais, ça. J'ai pas le temps de faire des vidéos cute puis bien finies, là, tu sais. Oui, j'ai la même voix que Rachid Badouri. En fait, je suis son doubleur officiel. Non, c'est pas vrai. Je vous niaise, là. Prenez pas ça pour du cash, s'il vous plaît. Je ne suis pas le doubleur de Rachid Badouri. Mais s'il veut que je le double, aucun problème. Je suis sûr que je peux faire les mêmes jokes que lui. Bon, en tout cas. Ça, cette cuillère est comme sale. Mais je vais juste la déposer ici. On va ouvrir. Ça, c'est une nouvelle marque de sauce aux huîtres. Quand je suis allé voir la madame, parce que tu sais, c'est comme un fournisseur de produits asiatiques à Montréal, mais de produits spécialisés. Et puis, vous voyez, ça a supposément gagné le gold medal de je sais pas trop quoi. Supposément que c'est vraiment très très bon. Donc, oui, Lauriane, tu diras, dis à Chef Touski que c'est parfait qu'il s'en vienne avec sa canne à pêche s'il veut pêcher. Je l'invite à aller au bord de l'eau. Derrière chez nous et j'irai le rejoindre après. Tiens. Je dis pas quand, mais après. Oui, j'ai un compte de pêche user. Bon, il y a quelqu'un qui vient de réaliser que je suis aussi l'échoppe de pêche. Donc, oui, je. Donc là, ah, oh, la texture a l'air bien. Attends, je vais la sentir. Ah, oui. Je trouve que ça sent moins huîtré que la sauce aux huîtres habituelle. Mais. Le fait qu'elle coule mieux, j'aime ça, parce que l'autre c'était vraiment l'enfer, il fallait toujours comme donner comme une swing, puis après attendre, tu sais. Ça c'est sans MSG, Snorro, cette sauce aux huîtres. Et cette compagnie fait aussi la sauce soya et la sauce poisson. Mais je n'ai pas switché de sauce poisson, c'est toujours la Red Boat ma préférée. La sauce aux huîtres, là, celle-là. C'est produit où? En Thaïlande. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ingrédients: extrait d'huître, eau purifiée, sucre, sel, fécule de maïs et évidemment du sorbate de potassium et de l'acide acétique. Donc un peu d'agent de conservation, mais rien de bien terrible au niveau. Donc ça a l'air quand même d'être bien. Donc, mais on accompagne un bon café McDo avec ça. Bon, ça fait quand même, c'est quand même mon deuxième live de la journée. Qui sait si je ne vais pas en faire un troisième. Mon record, c'est de faire quatre lives dans une journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette journée-là, je ne sais pas. Ça m'avait popé dans la tête. Je sais pas, j'ai tout fait en live. J'ai même pratiqué du piano. Je sais pas quoi d'autre. Ok, Kat, bonne chance dans tes études. Non, je pense qu'ils ne vendent pas celle-là au KimFat. C'est ça l'affaire, c'est très, très spécialisé. Mais dans les restaurants, ils utilisent ça beaucoup. Bon, il y a quelqu'un qui m'a vu au Camfung de Brossard. Je me fais stalker. C'était pas moi. C'était sûrement un autre Asiatique, parce que vous savez que les Asiatiques, on se ressemble tous. Hein. Donc là, je mélange ça. Moi, je dis souvent ça comme joke. Bon, alors, on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? Ah oui, là, il faut un petit côté vinaigré, hein? Un petit côté vinaigré sucré, le mirin. Le mirin, je ne sais pas si vous connaissez. Un produit ressemblant un peu au vinaigre de riz, mais un peu plus sirupeux. Un peu plus sucré. Alright. Et moins vinaigré, hein? Moins d'acide acétique dedans. L'acide acétique, hein, c'est comme dans le vinaigre, hein, c'est ça que c'est. Et puis d'ailleurs, quand vous achetez un vinaigre, comme par exemple vinaigre de riz, ça vous dit le pourcentage d'acide acétique, lui, ça dit 4,3%.
Sauce aux huîtres, 2 cuillères à soupe. Ok. Donc essentiellement, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce soya foncé, 2 cuillères à soupe de sauce aux huîtres. Je mets 1 cuillère à soupe de mirin. Si vous n'avez pas de mirin, vous pouvez mettre du vinaigre de riz, mais j'en mets aussi du vinaigre de riz. Mais c'est que le mirin va donner une petite touche un peu plus douce à cause du côté sucré. Et aussi la texture, ça va aider à rendre ça un peu plus épaissi. Oui, le marché Millennium, je connais. Et puis là, ben, je vais mettre genre une demi cuillère à thé de vinaigre de riz. All right. Une demi cuillère à thé, tiens. On va prendre, j'en ai-tu des demi cuillères à thé? D'habitude, je fais ça sans mesure, là, mais quand je fais des lives ou des vidéos, j'aime ça que le monde il voit ça comme... En fait, c'est ma femme qui m'a dit de faire ça. Là. Parce que d'habitude, je fais juste verser, puis ça a l'air que c'est plus difficile à suivre quand on fait juste verser la sauce. C'est comme dans mes cours d'informatique, tu sais, moi, j'ai tendance à toujours dire aux jeunes de se débrouiller, tu sais, c'est parce que moi, je pousse beaucoup l'autonomie. Et puis donc, je dis, si je monte de quoi... Ben, je le monte vite, puis il faut qu'il le catch vite, tu sais. C'est comme, c'est full Asian style, c'est exactement comment j'ai été élevé. Mais ça a l'air qu'il y en a qui trouvent ça tough. Tu sais, c'est comme, il y en a qui me demandent, montre-nous comment utiliser les baguettes, tu sais, comment tenir les baguettes. Mais je le montrerai pas, moi, personne ne me l'a montré. On m'a juste mis les baguettes dans les mains, puis a dit, ben, si tu veux manger, ben, tu prends les baguettes, t'sais. Alors, tu te débrouilles en maudit, là, tu sais. Qu'est-ce que le mirin? Ben, c'est un genre de... c'est comme un vinaigre de riz, presque, OK? Donc, mais c'est vraiment un fait de sirop de maïs, OK? Et puis, vu que il y a aussi du... donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau, il y a de l'assaisonnement au riz fermenté avec du vinaigre. Donc, c'est vraiment du vinaigre sucré, tu sais. Donc, voilà. Sylvain qui dit pour me faire le même souper ce soir. Ah, oh, yeah, c'est hot, c'est hot, tu te fais des noix udon aussi. Donc, Nicolas, il dit justement, on en parlait avec un élève que t'as pas encore eu. Ah bon, ok, mais donc c'est pas des élèves de première année. Ça fait plaisir, Larolle. Ben, cool, Sylvain, je suis content que. D'avoir été une inspiration pour ta première fois. Ça sonne drôle un peu ce que je viens de dire, mais je suis content. ça sonne drôle quand même. Avant de mettre ça, parce que je sais que je vais comme... Non, ça va être correct. Non, là, c'est pas du mirin que je vais mettre. Je vais mettre une demi-cuillère à thé de vinaigre de riz. Bon, Sylvain l'a pogné, en tout cas, il l'a catché. Ma référence, pas trop legit. Donc, une demi-cuillère à thé. Donc, en réalité, c'est juste une petite touche là, de vinaigre de riz pour avoir un petit côté un peu plus acidulé. Oui, je glande. Qu'est-ce que tu veux? Dans les lives, c'est plus relax que si je faisais ça tout seul. Parce que je donne quand même un peu de temps pour que vous suiviez. Un minimum de temps. Sinon, si je glandais pas, le monde dirait « Ah, tu vas trop vite! » Ok, il n'y a pas IoT, je comprends. Merci, Nicolas, pour la précision. Puis là, ben, on va mettre, on va mettre deux cuillères à thé de sucre brun. Ok. Combien j'ai mis de mirin? J'ai mis une cuillère à soupe de mirin. Ok. Là, 2 cuillères à thé de sucre brun. Alright. Mais honnêtement, la recette est sur TikTok, hein? Il y a une vidéo qui s'appelle nouilles udon, c'est la même recette, à peu près. Dans la recette, je pense que j'ai mis 2 cuillères à soupe et demi de sauce soya foncée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuillère... je fais un petit hack ici, là. Au lieu de mettre 2 cuillères à soupe et demi de sauce foncée, je vais aller chercher de mon bouillon, pas bouillon, mais de l'eau que j'utilise pour hydrater mes champignons shiitake et je vais prendre une cuillère à thé de tout ça. Alright. Quelle partie de steak? Ben là, j'ai pris juste un haut de surlonge parce que c'était en spécial au IGA. Donc, désolé ceux qui font le ramadan. Regardez, enregistrez la vidéo puis regardez-le ce soir au coucher du soleil. Bon, je reviens. J'ai mes champignons shiitake.
Regardez les champignons shiitake, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ah, t'as oublié tes champignons. Comment tu peux oublier des champignons shiitake? C'est à la base comme le Cantonese chow mein, le tout. Il faut, c'est ça qui donne le goût umami. Là, Sylvain, je suis déçu. La prochaine fois, concentre-toi. Bon, vous voyez, là, champignons shiitake, je ne sais pas si vous pouvez voir, je ne veux pas faire un désastre. Ceux qui sur. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère à thé, donc c'est un petit hack. Tu sais, quand les gens ils disent ta recette, c'est comme il y a un petit quelque chose de plus, ben. C'est champignons shiitake. La marque de ma sauce foncée, c'est Pearl River Bridge. Tiens, une petite cuillère à thé de cette eau-là. Oh my god! Deuxième cuillère à thé. Ça va faire que la sauce va être un peu plus liquide. Je vais en avoir un peu plus pour napper mes nouilles. Tiens, voilà. Puis on va laisser continuer ça. Ça va continuer à hydrater. Je l'ai tourné de bord, tu sais, donc. Bon, c'est ça. Je commence à manquer de place. Pas grave, je remets le couvercle. C'est quoi dans le bol? Des champignons shiitake. Ok? C'est vraiment, c'est la vie. Les champignons shiitake là, c'est fou là, comme ça donne tout le goût à tout. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Merci beaucoup, Sam. Non, je prépare. Ça, c'est pour ma petite famille, là. Ça ici, c'est pour Amélie, Victor et moi. Il n'y en aura pas pour d'autres. Sorry! Sorry, dude. Donc là, ce que je vais faire. Bon, quand vous avez des nouilles style udon comme ça, OK? Comme ça, c'est sous vide, OK? Vous n'avez pas besoin de les cuire en premier, OK? Parce qu'elles sont déjà molles, OK? Elles sont pas cassantes, OK? Désolé, non, tu fais pas partie de ma petite famille, mais tu fais partie de ma grande famille, mais pas de ma petite famille. La petite famille, c'est vraiment, c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on ouvre le paquet, all right? Toujours utiliser un couteau trop gros pour faire vos affaires. Donc, et puis là, ben, y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un peu d'eau. Pour séparer les nouilles, tu sais. Mais, tu sais, honnêtement, ça se sépare quand même relativement bien sans eau. Oui, ça va casser un peu, mais c'est sûr que si vous êtes vraiment très perfectionniste et vous voulez que ça ne casse pas, ben là, c'est ça. Non, j'ai pas oublié le nom de mes enfants. TRX Pin. Je ne les nomme pas toujours. En fait, très rarement, je vais les nommer lorsque je fais des affaires sur les réseaux sociaux. Simplement parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement nécessaire. Alors, voilà. Je suis en train de séparer les nouilles. Voilà, c'est fait. Pas besoin nécessairement d'avoir de l'eau. Ouais, ben c'est correct les commentaires, honnêtement. J'ai pas. Il n'y a rien de ben. Je trouve qu'on est une bonne gang sur les lives. En général, le monde sont respectueux. Et puis sinon, ben, des fois, je vais prendre le temps de bloquer quelqu'un ou mettre en sourdine, mais c'est très très rare quand même. Bon. Là. Voilà. Donc, moi, tant qu'il n'y a rien de ben offensant, comment on dit? Vivre et laisser vivre. Non, puis d'ailleurs, je vais aller faire aiguiser mon couteau. Dans pas long, je suis allé voir mon aiguiseur, puis il m'a rappelé de ne pas couper sur une planche de bois. J'ai comme, oups, j'ai comme oublié. C'est ça. Parce que, tu sais, quand tu utilises un couteau sur une planche de bois, c'est quand même abrasif le bois. Donc, c'est préférable sur une planche en plastique. Hein? Le saviez-vous, ça? Pas tout le monde qui sait ça. Mais des fois, ben, moi, je trouve que c'est plus Pinterest de couper sur du bois. Alors,
Je lui ramène mon couteau pour qu'il l'aiguise, tout simplement. merci, Benjamin, c'est super gentil. Marque recommandée pour les noyaux udon? Pas vraiment. Ils sont toutes assez similaires. Ça, la seule chose que je me demande, c'est si ça va être assez pour trois personnes. Moi, je pense que non. En général, c'est un paquet par personne. Mais est-ce que ça va en faire vraiment beaucoup dans la poêle, tu sais? Oui, mais c'est que ce couteau-là, vous savez, ça me prendrait plusieurs pierres, ok? Il y a différents grades de pierres, des pierres, et puis il faut les mouiller, tout ça. Puis le problème, c'est que c'est un acier quand même de très bonne qualité, extrêmement dur, donc difficile à affûter. Donc je préfère le faire par quelqu'un d'autre. Le temps que ça prend, là, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Où est-ce que je vais à l'épicerie? Ben, c'est vraiment des épiceries asiatiques. Mais sauf que, ah, les nouilles udon comme ça, là. Maxi, regardez, la marque President's Choice, ok, le choix du président. Donc, ça se trouve partout, là, ok, Metro, IGA, Provigo, Maxi, Super C, whatever. Donc, mais prenez ceux comme ça, qui sont mous, tu sais. Comme ça, t'as pas besoin de les. Des fois, si vous en achetez, que c'est. Mais en général, c'est jamais dur. C'est conservé sous vide comme ça. Et puis, vous avez juste à les mettre dans votre poêle quand vous avez fait sauter vos légumes et tout ça. Puis vous ajoutez votre sauce. Et puis ensuite, ben, ça fait la finition. Vous sautez ça 2-3 minutes. Et puis ça fait la finition. C'est ça l'avantage de ces nouilles-là aussi, c'est que c'est vite, vite, vite. T'as pas à les faire cuire dans un autre chaudron, tu sais. Donc ça, c'est des nouilles udon, ok? C'est super moelleux, chewy, un peu. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de gluten dedans, évidemment, là. Donc tout ce qui est moelleux, c'est parce à cause du gluten. Donc ceux qui sont intolérants au gluten, pas une bonne idée, mais moi. Ma blonde est triche souvent parce qu'elle aime tellement ces nouilles-là, mais en tout cas. Perséphone, non. Bon, ça devrait être pas mal, beaucoup, assez pour les affaires. On a notre sauce. Je vais couper donc des lanières de bœuf. Là, je vais aller me chercher juste un autre essuie-tout mouillé parce que moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je carbure aller aux essuie-tout. Je sais pas combien j'en dépense par jour, mais et je pense que je ne survivrai pas sans essuie-tout. C'est vraiment bizarre, mais bon, on va prendre un autre essuie-tout. Et un autre bol. On aime ça des bols. Ah, ben tu vois, Jolly, les essuie-tout, c'est la vie, hein. C'est vraiment. Ben, des fois, je me demande entre le papier de toilette et l'essuie-tout. Je sais pas qu'est-ce qui serait plus important, mais en tout cas, c'est comme un choix existentiel. J'aurais de la misère à choisir entre les deux, tu sais. Salut Numia, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Un mètre d'essuie-tout par jour. Non, en arrière, c'est la rivière Richelieu en passant, c'est pas la rivière des Mille-Îles. Donc là, je vais juste couper le bœuf simplement en tranches, en lanières finalement. Ah, je vais prendre d'autres essuie-tout pour éponger le bœuf. C'est parce que c'est un bœuf que j'ai fait congeler et que j'ai décongelé tantôt. Alors, ça. Salut Sandou. Hey, salut Dave. Salut, c'est Vov. Donc là, le bœuf, il est ici. On le place ici. On met ça aux poubelles. Et voilà. Et on tranche ça. All right? Merci Choubéou. Donc, juste des tranches minces ou relativement minces contre le grain. Hein. C'est toujours ça que je fais. Le grain, ceux qui se demandent là, c'est comme du bois, ok?
Donc, en général, le grain va comme ça et on tranche contre le grain. C'est ça que ça veut dire. Perpendiculaire au grain. Moi, je surveille toujours les ventes pour les essuie-tout. Alors, souvent, il y en a même à mon épicerie dépanneur du coin, parce que c'est un marché tradition. Et puis, donc, c'est ça. Donc, des petits morceaux comme ça, là, ça va, tu sais, ça va être parfait. Donc, vous prenez les protéines que vous voulez. Si vous voulez pas manger de viande, prenez du tofu. Ou si vous aimez les crustacés, moi, souvent, je fais ça avec de la crevette. Mais là, j'avais pas de crevette, puis la crevette, c'est comme plus cher. Puis là, ben, ce qui était en spécial, c'était les hauts de surlonge. Différentes parties, le haut de surlonge, la culotte de haut de surlonge et tout ça. Donc, c'était ça cette semaine en spécial, donc c'est ça que j'ai pris. Ce paquet-là que je suis en train de couper, ça m'a coûté 2 $, hein, 2 $ et quelques. Donc, tu sais, pour vous dire comment ça vaut la peine quand il y a des spéciaux. Les gens parlent de l'inflation, c'est comme, oh, on va mourir. Mais je pense que l'idée, c'est d'y aller avec les spéciaux au lieu d'y aller avec ce que vous voulez absolument manger aujourd'hui. Tu sais, on est mieux de s'adapter aux spéciaux. Hey, salut, la Fuerza. Exo, je suis enseignant en informatique. Oui, super Sylvain, ce soir. Donc ça, c'est poulet et crevettes. Pourquoi je m'appelle Vov? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi je m'appelle Vov? Mon nom de famille, c'est Vauvant, premièrement. Vovan. C'est mes étudiants qui m'appellent Vov depuis des années. Alors, j'ai décidé de réutiliser ce nickname pour le reste de mes jours. Bon. Donc ça c'est là, ça c'est ça. On a nos sauces. Je vais juste aller me rincer les mains encore. Encore. Bon. Là, est-ce que c'est le temps de faire ça? Oui, c'est le temps de prendre notre poêle et puis de notre réchaud Martin, notre fameux réchaud Martin. Où est-ce qu'il est ici? Hey, salut, JF Baudouin, Uncle Vov. Yes, Oncle Vov, c'est moi ça. Quel âge j'ai? C'est très indiscret. Non, c'est vraiment pas grave. Bon, la sauce aux huîtres, tu l'utilises dans autre chose comme ingrédient pour faire une autre sauce. Ouais, mais c'est ça. La sauce aux huîtres, c'est souvent, je l'utilise souvent comme base quand je fais un sauté style tout ce qui est comme brocoli à la chinoise, légumes verts à la chinoise, c'est souvent simplement à l'ail. Et si tu veux pimper un peu, c'est un peu de sauce aux huîtres. Ok? C'est tout. Donc, ça, il n'y a pas tant de mélange que ça. Donc, c'est ail, sauce aux huîtres. Mais des affaires comme les nouilles udon, tu peux pas prendre juste la sauce aux huîtres parce que sinon ça goûte trop fort. Tu dois napper toutes tes nouilles. Donc, tout napper ça en sauce aux huîtres, ça va être comme ça serait pas bon. Tu sais. Caro, je travaille au cégep de Sorel-Tracy. Amad demande pourquoi je dis pas mon âge. Je vais le dire éventuellement. Et puis, donc, ça, c'est un mélange sauce aux huîtres avec sauce soya foncée. Et puis, on a ajouté de la sauce de la mirin et du vinaigre de riz. Donc, en fait, c'est pas un très gros mélange. Par contre, mettons que si je fais du bœuf sauté à la chinoise, c'est sauce aux huîtres, sauce voisin ou hoisin en fait, comme il y a plusieurs prononces, et sauce claire. Donc ça c'est différent. Donc ça c'est un autre mélange, tu sais. Donc ça dépend, tu sais. Il y a plusieurs mélanges possibles. Numia qui elle a dit sauce aux huîtres avec nukmam et sauce soya claire. Oui, ça va être beaucoup plus style Viet Thai, tu sais, parce que dans la cuisine Viet et Thai, là, il y a plus le nukmam, tu sais. Bon, quelqu'un dit que j'ai l'air de 23 ans. Donc, je t'adore, Mime. Je trouve que t'as vraiment un bon jugement. Quelqu'un d'autre, 32 ans, 30 ans. Kyriane, si tu savais à quel âge j'ai terminé mes études. Elle dit à 23 ans, il serait encore aux études. Moi, non, moi, j'ai commencé l'université très, 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 très tôt. JF, il dit, Vov est dans mon team 40 ans. 43, hey, je sais plus quel âge que j'ai, moi. Numia, 47, 65. Ah, 65, c'est respect, ça. 65, c'est l'âge de la sagesse. Ça, c'est un réchaud, Martin, c'est au butane. Et puis, je l'utilise pour faire les lives, les vidéos. En général, sauf que j'ai quand même une cuisinière, là.
Oui, Tomiko, exactement. Avec sauce aux huîtres, soya et ail, on fait plein de plats, à peu près. Plein de sautés, plein d'affaires. Donc c'est ça. Je vais aller chercher quand même une autre bouteille de butane parce que je ne sais pas. Ça, c'est pas indiscret. Mon prénom, c'est Alex. All right? Donc, je reviens. Parce que je sais que ma bouteille de butane en ce moment est tire à sa fin. Donc, si jamais ça tire à sa fin, j'en ai une autre ici. Il est dans les chanceux qui paraît jeune longtemps. Il y a sûrement 50, paraît 22 pendant toute une vie. Ouais, c'est genre de choses. Et puis, tu sais, en réalité, les Asiatiques, c'est pas compliqué. On a l'air d'avoir 25 ans toute notre vie. Sauf qu'à 80 ans, tout pète. T'sais, là, on a l'air d'un squelette. T'sais. Donc, c'est ça. Là, la sauce Mirin, tu en trouves, tu vois, cette sauce Mirin disponible au IGA. En passant. Facile à trouver. Donc c'est ça. Pourquoi je fais pas le live avec ma femme? Parce qu'elle est au travail en ce moment. Donc c'est ça, le mirin, tu peux faire beaucoup de choses. En réalité, si tu veux vinaigrer un peu tes affaires et que tu veux un peu épaissir tes sauces, là, tu peux prendre ça parce que c'est à base de sirop de maïs. Donc ça, c'est vinaigré sucré. Ça se garde très bien, mais au frigo. Ça se garde très longtemps au frigo. All right? Lauriane, j'ai un fils d'une ancienne relation. Et puis, c'est ça. On va partir ça. On va mettre une grande poêle parce que là, j'ai bien des nouilles. Et puis, c'est ça. On va prendre un peu d'huile. On va faire ça vite parce que, hein, un réchaud comme ça va vite. OK. Puis là, on va ouvrir ça. La recette est sur TikTok, hein. Checker pour nouilles udon. Quelqu'un dit, tu es né en quelle année? Ah, vous êtes vimeux, vous autres, là. Vous pensez que je vais me faire pogner comme ça? Ah, bon, il n'y a pas de petite encoche, cette affaire-là. C'est mal fait. Alors, on va couper au couteau. Alright. Quand vous dites sauce foncée, est-ce la même chose que du K-Cap? Bonne question, je ne sais pas. Ah oui, bonne, c'est vrai ça. Hein? On va, t'sais. Bonne idée. Avais-tu aimé le riz frit qu'elle avait fait et nous l'avait montré? Oui, j'ai adoré. Oui, ceux qui ont vu le live que ma femme a fait avec du riz frit, c'était excellent. C'était vraiment à coche, comme on dit. Donc là, ah, j'ai baissé le feu, donc c'est pas très fort. Je pense que je mets tout. Pas sûr. Pas sûr si je mets tout. Moi, je mettrai pas tout. Attention à la bouteille de gaz près du feu, tu vas voler dans le ciel en live. Ouais, non, c'est ça, j'ai mis la bouteille plus loin. Le plat n'est pas physique, ça me donne déjà envie. Ah, ben attends. Alors, quelqu'un dit mets-le au complet. Je suis pas sûr parce que là, j'aurais plus de place, imagine avec ça, puis le bœuf. Pas sûr, moi. En tout cas, on va commencer avec ça, puis s'il manque de légumes, ça là, c'est pas long à faire là. Là, j'ai mis. Oups, là, il y a quelque chose qui est tombé là. J'ai mis. Ah, c'est vrai que mon feu est pas fort, hein? C'est drôle, j'ai remarqué quand j'arrive vers la fin de la bouteille de butane, c'est. Regarde, ça chauffe pas. Ça chauffe pas en tout. Donc, ce que je vais faire. Ça ici, on peut trouver dans certaines épiceries. Je sais pas où là, mais. Donc là, ben ah, là c'est assez fort. J'ai mis au maximum là. Alors, on est en train de vider la bouteille de butane. Puis ce que je vais faire, je vais couvrir. OK? Comme ça, on cuit ça à la vapeur. All right? Un petit reste de légumes, moi, ouais, mais je pense que je vais le mettre au complet. Oui, je l'ai agité tantôt, Benoît, mais là, en le remettant, on dirait que ça comme pas. C'est revenu. Ben, tu sais. Je suis vraiment rendu aux dernières gouttes de butane. Tiens, on va rajouter ça. Let's go!
Let's go, on y va. Tant pis, sinon je réserverai simplement. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je vais utiliser ces légumes style Bangkok du choix du président. On va voir ce que ça donne. C'est... Il y a des petits bébés maïs, donc on va voir ce que ça donne. C'est... Puis pendant ce temps-là, je fais un petit peu de ménage. Parce que ça, c'est important, sinon... Il y a quelqu'un qui sera pas contente. Salut Jonathan! Comment on fait sushi maison, genre le bon riz comme les restos? Je suis tanné de payer 70$ par repas. Ben, il faut acheter le bon riz à sushi d'ailleurs. Donc, d'abord, c'est ça, puis il faut avoir la petite affaire pour rouler, là. Comment on appelle ça? Steve, je prépare mon souper. Le souper pour Amélie, Victor et moi. Donc, tout en buvant un bon café froid. Ça sent bien, c'est correct. Ça cuit à la vapeur lentement. Donc, on va appeler ça du slow living. C'est slow cooking, slow living. Hein? On vit le moment présent. On met une petite musique classique. On met le canon de Pachelbel. Hein? Et puis, on vit le slow life. All right? On attend. Donc, la recette du riz cantonais comme dans les restos. Ouais, ben ça, c'est ça dépend parce que les restos, c'est différent d'un resto à l'autre. Là. Oui, d'habitude, je prends des légumes frais, comme par exemple du bok choy. Pourquoi je boite? En fait, c'est parce que j'ai été déjà paralysé. Alors, j'ai un petit restant de difficulté à marcher. Kyria, je suis enseignant en informatique. Salut Isabelle, qui est en France. Quelle cuisine je préfère à part asiatique? Bonne question. J'aime de tout, honnêtement, j'aime de tout. Ok, là, ça commence à être vraiment pas chaud. Là, je pense que je pourrais quasiment mettre ma main sur le feu. Mon mets préféré, je te dirais peut-être le pho ou le bumbawé. Et je cuisine, oui, évidemment, d'autres repas. Je cuisine, occidentale, si on peut dire. Non, c'est ça. Légumes préférés. J'aime beaucoup le rapini. Il y a des questions inutiles au live, ça va prendre le modérateur. Ben, c'est correct, honnêtement, là, c'est pas... C'est en attendant que les légumes cuisent, JF, il n'y a pas de problème. Kyria, ça par contre, ça serait trop long à expliquer. Les légumes que j'ai pris, c'est... Ah, je viens de jeter le paquet. Mais c'est des légumes que j'ai pris, que Amélie a pris à l'épicerie. Et puis c'est un President's Choice, donc légumes congelés. Et c'était écrit « style Bangkok ». Oui, il y a de la pluie verglaçante en ce moment. Est-ce que c'est dur de faire les crêpes vietnamiennes, Lumia, les Ban Kung, les crêpes qui sont translucides? Non, c'est vraiment pas dur. On a... Hey, c'est vrai! Est-ce qu'on a mis la vidéo? Les chopes de pêche, Amélie, si t'es sur le live, j'aimerais savoir, je me souviens plus si on a publié cette vidéo-là. Parce qu'il me semble qu'on l'a faite. La vidéo des Mancons. La base de la cuisine Sichuan, le piment fort. Le Pachelbel, il faut écouter ça tous les matins pour aligner les chakras. T'es drôle, Mimi. Bouffe haïtienne, oui, j'en ai déjà mangé. Des cours de cuisine, on en a déjà donné. Mais là, on n'en donne plus à cause de... depuis la pandémie, on a arrêté. Et puis là, bon, c'est ça. Quand ça. Là, c'est vraiment pas assez chaud. Donc, je vais quand même... changer la bouteille. On va fermer ça. On débranche. Ça, c'est n'importe quoi. Et puis, brand spanking new. All right. Recette que je fais si je reçois. Je ne sais pas, ça dépend des personnes. Kyria, ça a pris une couple d'années, oui. Pas mal de temps. Euh,
Oui, c'est vrai, des cours de cuisine avec des enfants. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Oncle Vov. Ah! Ça, c'est mieux. Bon. C'est au butane. La nourriture péruvienne, j'ai déjà goûté. Je suis désolé, oiseau libre, tu peux pas tout manger. Bon, je vais prendre une autre cuillère. Ah, ça va beaucoup mieux là. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est en train de tout ce qui était humide dans les légumes congelés, c'est en train de bouillir, ce qui est important pour faire cuire les légumes comme il faut, qu'ils ratatinent pas trop vite. Puis là, ce que je vais faire en attendant, je vais quand même couper des morceaux de champignons shiitake. Ils sont maintenant bien hydratés et je vais pouvoir les incorporer au mélange après. Pourquoi Jérémy, je cuisine pas sur la cuisinière? Parce que l'image est moins bonne. Ok? Ah, super. Merci, Joanne. J'aime ça quand vous me donnez du feedback. Bon, là, je vais couper un peu. Vous voyez? Ça, c'est des champignons shiitake que j'ai réhydratés dans de l'eau. Salut Françoise! Françoise qui est sur YouTube. YouTube, sur ma chaîne Oncle Vov. Ok? Donc ça, les légumes sont en train de cuire. C'est quand même, ça prend un petit 5 minutes. Là, je vais couper des morceaux de champignons shiitake. Donc, on veut des morceaux pas trop gros. Des fois, j'enlève le pied. Si le pied est trop dur, je l'enlève. Comme là, j'en ai un que le pied est trop dur. Donc là, j'ai des champignons shiitake ici. All right? Ça, on va l'incorporer tout de suite. Comme ça va incorporer aussi le goût aux légumes. Okay? Vous voyez que ça marche beaucoup mieux, le poêle en ce moment. Donc, on va continuer à faire cuire ça. On remue un peu. Perdre un morceau. On va laisser ça sans le couvercle pour laisser l'humidité partir, ok? Oui, le couteau est gros. En fait, le couteau, là, honnêtement, là, c'est. Oui, ça va très bien, Françoise. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien aussi. Mais, bonjour, Amaury. Du monde sur YouTube. Je suis content de vous voir en passant sur YouTube. Ça fait pas si longtemps qu'on a commencé à faire nos lives sur YouTube. Donc, le couteau, c'est juste pour vous impressionner. Non, c'est pas vrai, c'est juste que vraiment, c'est ce que je suis habitué d'utiliser depuis que je suis tout petit. Caroline, elle dit pas d'électricité. Comment ça, pas d'électricité? Ah oui, c'est vrai, il y a du verglas. T'es dans quel coin, Caroline? Salut, Gabriel! Donc là, on mesure là, ce que je suis curieux de savoir, c'est le petit maïs, bébé maïs, si dans un plat surgelé comme ça, si ça peut devenir bon, t'sais. Je sais pas. Là, ce que je vais faire, je vais sûrement ce que je vais faire, je vais le réserver avant de faire cuire la viande, t'sais. Oh là, oui, hey, tout le monde, à 3h30, hein, sur TikTok. Oubliez pas, oh, mon chien se lève, est-ce que c'est. Non, il veut pas aller dehors. Ok. Poulet General Tso sur TikTok à 3h30. Allez voir ça, c'est la recette. Ok. Bon, ça, je vais réserver. Je ferme le feu. Ok.
Et puis, je vais... inquiétez-vous pas, je vais réincorporer ça tantôt. C'est juste que je veux pas... Je veux que ma viande soit vraiment cuite avec de l'huile, right? Donc, je veux pas d'eau. Bon. J'ai un de mes chiens qui veut sortir, je pense. Je pense que je vais juste tantôt lui faire faire juste un petit aller-retour parce que je pense pas qu'il va apprécier aller dans la pluie verglaçante tant que ça. Parce que là, il sait pas qu'il y a de la pluie verglaçante. Hein. Donc, ça, c'est les légumes. Ils sont prêts pour ça. C'est qui texte sur le compte de pêche? Ah oui, c'est Amélie, c'est ma femme. Donc, François, je prépare des nouilles udon. Avec des légumes congelés. Qui était en spécial à l'épicerie. Et puis, du bœuf. OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter de l'huile. Et on va faire cuire le bœuf. OK. Et ensuite, on met les nouilles, on met la sauce et c'est rock and roll, OK? OK, il n'y a pas beaucoup de bœuf, mais en tout cas, ça va être plus végétarien que protéiné, hein? C'est qui est bien correct. C'est tout ce que j'avais comme bœuf dans le congélateur. OK. Ouais, vous voyez, sur le bœuf. En fait, les nouilles udon, quand on les achète comme ça, hein, elles sont en sous vide. Donc, vous n'avez pas à les... tu sais, elles sont comme pratiquement déjà cuites. Donc, ça prend comme 3 à 5 minutes à faire sauter, that's it. Donc, voilà, mon bœuf est bien saisi. C'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai enlevé les légumes, OK? Donc, des fois, c'est quand vous voulez choisir, est-ce que vous mettez la viande, les légumes en même temps? Ça dépend si vous voulez saisir votre viande ou non. Donc là, j'ajoute les nouilles, OK? Et là, j'ajoute la sauce, OK? Puis avec les légumes, ça aurait été trop pour pouvoir bien mélanger le tout. Alors, on y va tranquillement parce que je veux pas faire de gros dégâts. J'ai baissé le feu un petit peu pour aider à mélanger, que je perde pas toute ma sauce avant que j'ai le temps de tout mélanger, OK? Donc, j'aime ça la personne qui a dit « C'est le fun de te voir cuisiner avec des bâtons. » Ouais, c'est des bâtons. C'est, qu'est-ce que tu veux? Des baguettes, c'est quand même des bâtons, effectivement. Donc là, vu que j'ai baissé le feu, c'est facile pour moi de mélanger, OK? Donc, c'est ça que j'aime des petits poils au gaz, c'est que c'est facile d'ajuster la température rapidement. OK, donc quand je veux baisser la température, c'est comme immédiat. Quand je veux la remonter, mais c'est vraiment rapide. OK, donc là, je m'assure de bien séparer en même temps les nouilles. Tu sais, il y en a qui séparent les nouilles d'avance. Donc, ils font, ils les rincent à l'eau froide, puis ils les égouttent et tout ça. Moi, je skip cette partie-là pour ne pas avoir de chaudron additionnel à laver. Et parce que... Je suis comme ça, ça me tente pas de... Et puis là, ben, je vais remonter la température, alright? Donc la sauce, c'est un mélange. 2 cuillères à soupe, sauce soya foncée. 2 cuillères à soupe, sauce aux huîtres. 1 cuillère à soupe de mirin. 1 demi-cuillère à thé de vinaigre de riz. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? 2 cuillères à thé de sucre brun. Et j'ai ajouté 2 cuillères à thé d'eau de champignons shiitake, l'eau que j'ai utilisée pour réhydrater mes champignons shiitake, ben je l'ai utilisée pour ajouter dans la sauce. Là, la question, c'est vrai que tantôt quelqu'un a demandé quand est-ce qu'on sait que les nouilles udon sont prêtes. Ben en fait, on le voit à la texture des nouilles udon. Comme vous voyez là, quand je les mélange, je sens qu'elles sont encore un peu raides. Elles gardent leur forme, tu sais, quand je les mélange. Et puis, quand elles vont devenir plus souples, là, je saurai qu'elles seront prêtes, OK? Donc là, pour le moment, vous voyez, c'est encore... Il y en a des morceaux qui sont un peu raides. Donc,
Là, j'ai plus besoin vraiment des baguettes en ce moment. La différence entre la sauce soya foncée et la sauce soya claire, sauce soya foncée, elle est plus épaisse, plus caramélisée, plus sirupeuse. Et voyez, en même temps, avec la cuillère, ce qui est plus facile, c'est qu'en appuyant sur les nouilles doucement, j'arrive à les séparer. Puis en même temps, ça fait en sorte que je sens la texture des nouilles. Okay? Donc c'est comme une pierre, deux ou trois coups, tu sais. Et puis, donc, je sépare les nouilles, je mélange la sauce et je check si la nouille est prête, si elle est assez cuite. Donc, je sens que c'est encore dur, tu sais. Là, je vais baisser un peu le feu parce que je veux pas perdre trop de sauce. Je continue à remuer. Et puis, après ça, d'ailleurs, si jamais ma sauce s'épaissit trop, je peux ajouter de mon bouillon de champignons shiitake. Donc, vous voyez, ici, là, j'ai encore de l'eau d'hydratation. Et puis, tiens, hein, on va en ajouter un petit peu. Ça va aider. Voilà. Et ça ajoute tellement au goût. Le champignon shiitake, c'est la vie, je vous le dis. Oui, ça donne faim. Effectivement, moi-même, en cuisinant, je commence à vraiment avoir faim. C'est ça le pire. Sur YouTube, là, parce que c'est plus difficile de voir, j'ai pas encore branché ma webcam. Les prochains YouTube, là, les lives officiels, disons, lundi prochain, ça va être arrangé, cette affaire-là. Donc là, je vais augmenter le feu encore un peu, vu que j'ai ajouté du liquide. Donc, vous voyez, déjà, on voit que les nouilles sont plus souples. Alright? Ça pourrait avoir l'air d'asticot, mais c'est un peu long pour ça, les nouilles. Donc, des nouilles udon, hein, c'est des paquets qui se vendent comme ça. Dans les épiceries vraiment occidentales, aucun problème à trouver ça. Dans les grandes surfaces, aucun problème. Donc, on a du bœuf, on a des nouilles udon, et là, on ajoute les légumes, parce que c'est presque prêt. Ma blonde est au travail en ce moment. Donc, on ajoute aussi. Voilà. Ben oui, ben vous savez qu'il y a bien de la bouffe qui ressemble à bien des affaires, hein? Donc, si vous vous arrêtez à ces impressions-là, ben vous mangerez pas grand-chose. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais un bon morceau de steak, ça a l'air d'un morceau de corps coupé. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est plus ragoûtant. À vous de décider. Oui, je pêche encore, Max. Absolument. Oui, les nouilles udon, on peut trouver ça, Michael, au Maxi. Aucun problème. Françoise, non, je reçois pas d'invités. En fait, c'est pour ma famille, tantôt. En ce moment, ici, il est presque 2 heures. Et quand ma femme et mon fils vont rentrer, ils auront de quoi manger immédiatement. Et puis ça se réchauffe très, très bien. Vous voyez? Donc ça, ici, ça va très bien. Et là, je vais goûter. Donc, je prends... Ah, je baisse le feu un peu. Ah, on va goûter à ça. Oh là. C'est excellent. Un peu sucré, un peu salé, un peu vinaigré. Il y a de la viande, il y a des légumes. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça encore. Ah, c'était les légumes dedans. Donc, ce que je peux faire, je vais réserver. J'ai terminé. Hey, salut, SDLO. Et puis là, ben, je vais... ça va être prêt pour ce soir. En fait, c'est peut-être... un peu petit, ça.
Je vais prendre un bol plus gros. Je reviens tout de suite. Ah oui, un peu de piment viette, c'est vrai, JF. Mais c'est pas bon pour Amélie, par contre. Je devrais pas mettre de piment. Avoir voulu, j'aurais mis des piments, des chilis, des longs chilis déshydratés. Et je les aurais fait hydrater. Ah oui, puis ça, oui, avec la température d'aujourd'hui, mangez ça, regardez ça sur YouTube. Ça, là, c'est full réconfortant. C'est, comment on appelle ça, du comfort food. Et là, ben, l'idée, c'est de mettre ça dans un plat qui va être bien. Je reviens tout de suite avec un plat, OK? Tada! Donc ça, ça va être... Ah oui, mon lame. Snorro qui vient de m'écrire en vietnamien que c'est bon. Donc là... Voilà. Je vais... il faut un bon plat pour conserver ça. On verse ça. Yes. Là, si c'est pas assez pour trois personnes, là, il va y avoir un problème. Et j'espère en avoir un peu pour le lunch de demain pour mon fils. Parce que ça me tente pas de faire un autre plat. Là. C'est quoi la température au Québec? Ceux qui sont au Québec, répondez donc à Claude. Pour lui répondre qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec. L'enfer sur terre! J'exagère un peu, là, mais... Il fait 30 degrés avec un gros soleil. Très drôle, Daddy Chill. Les portes complètement givrées. Ouais, je sais pas s'il y en a qui ont eu de la misère à rentrer dans leur voiture aujourd'hui. Donc, on va tester, voir si leur brocoli congelé. Pas pire. Pas pire du tout. Cupcake, pour l'instant, non. Oui, Michael, toi, il fait tempête, là. Donc, Michael, t'es au Québec, je suppose. Et voilà. Donc, un bon bol de nouilles udon. Des nouilles udon. Moi, ceux qui connaissent pas ça, c'est comme ça, OK? Et puis, il faut pas les faire bouillir, OK? Ouais, ben, Daddy Chill, ça fait très, très longtemps. Ça ici, donc c'est ça, c'est des nouilles plus épaisses. Et puis, c'est sous vide, vendu sous vide. Donc, il faut juste les séparer. Puis ensuite, ben, on les fait cuire dans le sauté. OK? Jusqu'à ce que les nouilles soient ramollies. OK? Donc, je vais vous montrer. Vous voyez là? Là, c'est souple. Les nouilles sont souples. Donc, c'est bon. Parfait. OK? Faut pas qu'elle soit raide, ok? Non, parce qu'il y a de la sauce soya. Pas besoin de mettre du sel. Le bœuf. Faut pas que je mange tout, là. Ils vont capoter. Là, ben... On va conserver ça. Et puis, vous voyez, il me reste encore... de l'eau des champignons que j'ai réhydraté. Et puis, je vais quand même garder ça au cas où je décide de faire quelque chose tantôt ce soir. T'sais. Non, je vais pas tout manger parce que sinon, Amélie sera pas très contente. Ni Victor. Oui, exactement, Tara. Et c'est pour ça que j'utilise en cours de route la cuillère de bois quand tu mets les nouilles
Ah, Michael, qui est de Limoilou. All right, c'est proche de Québec, ça. Et puis là, ben, c'est quand tu les écrases un peu, ça les sépare. Puis en même temps, ça te permet de vérifier la texture. All right. Bon, excusez pour le bruit. Donc, c'est ça. On regarde ça pour plus tard. Donc, voilà, les amis. Je vais faire du petit ménage. Merci en passant à tout le monde qui m'ont suivi sur YouTube, sur Twitch, tous ceux qui s'abonnent sur Twitch et sur YouTube. De plus en plus, je vais faire des lives dessus. Et puis, là, ben, je vais faire un peu de ménage. J'ai des petites traces de sauce soya foncée un peu partout. Ah non, c'est vrai, Amélie est sur le live. Ouais, ben, aucun problème, ça va être propre, 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 aucun problème, zéro problème. Est-ce que je remplacerai les crevettes par quoi dans les wontons? Ben, tu peux mettre juste du porc ou tu peux mettre juste du poulet. Tu mets la viande que tu veux dans les wontons. C'est sûr que traditionnellement, c'est les crevettes, mais sinon, y a, souvent, on met des one, du porc dans les crevettes, dans les wontons. Oh, je suis tout mélangé. Françoise, mon fils s'appelle Victor. Pourquoi est-ce que je garde tout le temps ma casquette Spectre? Parce que j'aime ça, je trouve que ça donne un bon look à la forme de ma tête. J'ai une tête à casquette, comme on dit. Benjamin, très drôle. Ouais. Ah, ok, ma blonde a dit, ouais, tu es pardonné. Ben là, je vais quand même prendre le temps de faire ça, de nettoyer les choses. Alors, ça, je peux déjà ranger ça. Ça n'a pas vraiment sali le poil. Je vous remercie. Pourquoi une casquette New York? Ben parce que j'aime New York. Et puis j'aime c'est ça, j'aime New York. Je vais de temps en temps à New York voir manger là-bas d'ailleurs. J'ai une casquette de Montréal, des Canadiens de Montréal. Là, j'hésitais dernièrement, les Canadiens de Montréal, c'était un petit peu. Oui, elle est gros, je la connais celle-là, Benjamin. J'ai aussi une casquette des Expos. Donc, c'est correct, Joanne, ça me dérange pas du tout pour les casquettes. De toute façon, en bout de ligne, c'est moi qui choisis si j'en mets une ou non. Alors, même si vous disiez je déteste les casquettes, ben je vais quand même en porter. Des fois, je ne porte pas des casquettes. J'ai une vidéo, je vous invite à chercher. On a déjà publié une ou deux ou quelques vidéos, en tout cas, où j'ai pas de casquette. Trouvez-la! Oui, les expos. JF, entre toi puis moi, je ferai ça pour le moment, disons. On va attendre l'automne prochain, tu sais, avant de mettre la casquette des Canadiens. Où est-ce que j'enseigne? J'enseigne au cégep de Sorel-Tracy. Puis oui, j'habite proche de Sorel-Tracy. J'habite à Saint-Ours, petite ville, juste à 15 minutes de Sorel-Tracy. Un beau grand terrain, on a la paix là-bas. Oui, vidéo Roule Impériaux, il y en a déjà même. Donc, les Chaya ou les Nem, on a fait une vidéo de ça. Donc, bonne journée Numia, bonne journée Snorro. Oui, Snorro, t'as raison. Si je mets pas de cassette, ça trahit parce que j'ai des bouts de cheveux blancs. Vous voyez ici, j'ai du blanc ici un peu. Donc, Maxime, non, tant que c'est air ouverte puis que c'est bien ventilé. Et que les émissions peuvent se dégager, donc on est correct. Mémédie, je dis qu'il n'y a pas de casquette sur cette vidéo. Alors, on se revoit bientôt. On se revoit assurément lundi. À plus, JF. Et puis aussi, n'oubliez pas, 3h30 sur TikTok, Amélie va publier la vidéo de la recette. Du poulet General Tao, mais le vrai de vrai, je vous le garantis, faites-la comme je le dis dans la vidéo avec toutes les instructions. C'est clair, c'est facile à faire, donc faites-le et vous allez voir que vous avez le meilleur poulet General Tao que vous aurez jamais mangé. All right? Donc, à bientôt tout le monde, bonne journée et prenez soin de vous, faites attention sur la route. À plus!
Donc tout le monde sur Twitch, sur YouTube, mes étudiants, si vous êtes encore là, bonne journée. De ce que je peux voir sur les vitres, ça a l'air d'être moins givré. Donc je pense que déjà à partir de maintenant, la température est un peu plus chaude. Vous devriez être correct pour le retour. Donc bon cours de français, ceux qui ont le cours de français à 3 heures. Bonne journée Françoise, bonne journée Michael. Bonne journée. Ouais, ça, c'est plus de la slush, donc ça devrait être pas si pire. Allez-y prudemment quand même. Et on se revoit la semaine prochaine. Et joyeuse Pâques, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans le TikTok, mais joyeuse Pâques à tout le monde. Prenez soin de vous et de votre famille. À plus.